Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une spéciale collaboration entre deux artistes bien connus de l'industrie. J'ai nommé Karina, Winter, je ne sais pas pourquoi je voulais dire Karina, mais Winter d'Aespa, mais également Yedam, ancien membre du boss group coréen Treasure. Mais avant de déplatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. J'ai envie de te dire générique. Faites pas attention pourquoi je me suis trompée, pourquoi je pensais à Karina, parce que je viens de voir qu'elle a rompu tout simplement avec son petit ami. Oui, ça a fait polémique parce qu'elle sortait avec un moche. Mais bordel de merde, laissez-les tranquilles s'ils veulent sortir avec Père Paul Jacques. Franchement, purée, ils peuvent même pas être amoureux. Tout ça parce que une idol, c'est une propriété. C'est... Aïe. Aïe. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. C'était quoi ce... Non, mais franchement, vous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé quand même relativement un bon long week-end. Moi, j'ai été malade du week-end. Heureusement, j'étais retapée pour le concert des Euros, ce qui était juste génialissime. Je suis rentrée passé 23h. Mon fils m'a réclamé un biberon vers minuit 30. Et après, ben, pas moyen de dormir. Donc, j'ai fait nuit blanche. Je suis littéralement, je vais pas vous mentir, entre ma gastro du week-end, finalement, je suis arrivée au boulot aujourd'hui, épidémie de gastro, donc je l'ai chopé jeudi au boulot. Chouette le métier, les risques du métier. Donc voilà, oui, bon, ma météo du jour, revenons, je suis KO, franchement je suis explosée de fatigue. Vous avez l'habitude de m'entendre dire que je suis tout le temps fatiguée, mais là je suis vraiment KO, que j'ai mon cerveau, je sais même pas comment j'arrive à faire mes réactions d'aujourd'hui, et je dois monter toutes les réactions que j'ai filmées hier avant le concert, celles d'aujourd'hui et celles que j'ai pas pu monter de vendredi. Ah, ça va aller. Et les vlogs. Ça va jamais aller, j'en ai pour des lustres. Il faudrait que je fasse des nuits blanches à faire du montage pour attraper mon retard. C'est pas possible, j'ai besoin de sommeil. Oui, c'est primordial, c'est ma santé avant YouTube. Oui, je pense que vous êtes compréhensif de ça. Bon, revenons à nos moutons. On va pas trop s'énerver par rapport à Karina d'Aespa, parce que là c'est Winter d'Aespa. Ok, très hâte de voir cette collaboration. Je pense que Yedam a composé cette chanson, mais que Winter a participé, mais je suis pas sûre. J'ai cru voir ça quelque part. J'ai cru voir ça dans un teaser ou quoi. Ils expliquaient ça dans un article, mais je suis pas sûre. En tout cas, très adorable. Quoique, c'est un autre producteur. Je ne sais plus, parce à la fin je me trompe. Soit on s'en fout. Allez, on va se mettre dans l'axe. Ils sont de retour donc avec leur titre officiel, Officially Cool. Ah, c'était très nul à chier quoi, ce tanglé de merde. Heureusement que j'ai pas prévu VIP pour voir les membres de The Rose. Je sais même pas s'ils ont une photo et s'ils ont pu faire... Enfin, soit ta gueule, mais allez, let's go. Oui, je m'insulte, c'est pas grave. Sûrement l'iPhone 15, hein, ça, ou 14. Hein. On va faire comme... C'est cool pour la miniature, ça. J'ai pas fait exprès. Leurs deux voix se marient très bien. Ça fait très américain étudiant là. Ah, j'adore les verres. Elle dit je vais juste acheter un verre et puis elle monte le verre. Je me demande comment elle est arrivée ce single pour faire un... Putain, je me gratte à son ici. Cette collaboration, s'ils se connaissent, s'ils sont amis et tout. Il a dit qu'il avait aucun problème avec elle, donc écoutez-le à un moment donné, il vous dit qu'il a pas de problème. J'ai envie d'un gâteau maintenant. On dirait un peu un talk show américain, tu vois, en mode il témoigne, ouais, l'autre derrière, tu vois, manana. Ah, Yedam, sa voix. Franchement, la YG. Hein.
Aïe, dame dont tu es sûre. Et ouais. Aïe, ça a fait n'importe quoi. Il a bien fait de se casser en fait. C'est trop marrant parce qu'avec tous les papiers sur lui, c'est marrant, il y avait des enveloppes là accrochées là au-dessus. Bah, on aurait dit qu'il était. Sa tête était coupée. Waouh, la fatigue me fait dire, mais n'importe quoi! En mode. Oui, vous êtes officiellement cool. Oh, elle est sympa la miniature. Best friends. Oh, elle est trop sympa cette fin. Alors, on a vraiment une chanson, un duo qui fonctionne magnifiquement bien. J'aime beaucoup leur énergie, leur symbiose, leur voix se marient magnifiquement bien ensemble. On a une chanson qui est très pop, assez urbain. Et je trouve que les deux artistes collaborent très bien sur ce chant, sur ce type de chant ensemble. Je veux dire, leurs voix posées dessus sont très bien accordées. On a une chanson qui est assez, quelque part, émotionnelle, mais assez parfaite pour eux deux. Une chanson d'amour, mais leur phrase est tellement bien tournée, j'ai bien apprécié comment ça a été tourné. Je me demande comment leur collaboration a pu se faire, a pu voir le jour. Donc si vous avez des petites anecdotes, je suis preneuse. J'ai bien apprécié le MV où tu les vois qui sont un peu éloignés et puis tout doucement qui s'approchent d'un côté et comme pour dire ben oui on va peut-être tenter quelque chose ou pas, mais ça dépend vraiment des émotions qui peuvent être gênantes lorsque en face de toi t'as un inconnu mais en même temps qui pourrait ouvrir éventuellement sur une relation amoureuse où ça peut être complètement différent. Comme si c'était être gêné par ton compagnon, ta compagne, que tu sais que tu es en pleine séparation, tu vois. Je trouve qu'elle parle aussi un peu d'inquiétude, qui sont remplies de pensées assez cool, parce qu'ils parlent de ce côté cool, tu vois. Mais ça s'attarde vraiment les unes sur les autres, et tu as ce regard qui est assez persistant, qui dit comme si nous sommes cool entre nous, même si ça peut ne pas bien aller ou l'opposé. Très bien aller, mais en même temps ça cache quand même toutes ces émotions qui restent et qui devraient quand même susciter un certain intérêt vis-à-vis l'un de l'autre, tu vois. Voilà, j'essaie de un petit peu synthétiser tout ce que j'avais compris et je sais même pas si mes structures de phrases sont cohérentes. Putain, je suis tellement crevée. J'ai mon cerveau qui va me dire va te faire foutre, Mel. Bon voilà, je trouvais que c'était une chanson assez sympa et je trouve que leur collaboration match vraiment bien. En tout cas, au niveau de leur single, il est constitué donc de un titre. Vous n'avez pas la version instrumentale. Et au niveau du visuel, ben, on retrouve l'image qu'on retrouvait en fait sur son public Insta en fait en téléphone comme ça. C'était très sympa. Et on les voit tous les deux avec leur beau sourire et puis ce fameux gâteau. Par contre, il n'est pas marqué Best Friends sur ce gâteau-là. C'est dommage. Voilà les couleurs un peu pastel, bleu, rouge et tout. Bon, voilà, c'est assez sympa, quoi. Et vous, mes chers Manimilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié leur collaboration qui était toute mimi et également le MV qui l'accompagne. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher quand même un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara. Just try, 'cause I guess we're officially cool.